Pour cet été, l'association a souhaité aller dans le village de Chenavan. C'est un village qui se trouve dans la région du Lory. On est suffisamment loin de Yerevan, donc on arrive à avoir un village reculé et qui est dans le besoin, mais on reste proche d'une ville très importante qui est la troisième plus grande ville d'Arménie, qui est Vanadzour. C'est une région dans laquelle l'association n'a jamais fait de mission. Le maire du village de Chenavan, il a 29 ans, ça fait 2 ans qu'il est maire du village et il a fait tellement de choses pour le village et ça c'est quelque chose qui a vachement joué dans la décision de venir à Chenavan parce que de voir un maire qui est tellement actif pour son village, que ce soit dans le système d'irrigation des eaux ou même pour les enfants, pour là la mairie, l'école maternelle elle est rattachée à la mairie, en fait c'était évident que ok on va venir dans ce village et on sait qu'on est appuyé et épaulé par un maire super dynamique. L'arrivée des bénévoles dans le village, c'est toujours quelque chose qui est appréhendé, tant par les enfants du village que par les bénévoles. Au début, les deux ne se connaissent pas, ne se font pas forcément confiance. Ils ne parlent pas la même langue, donc c'est des langages de signes, c'est des regards. Donc c'est toujours un peu compliqué pour les deux. Mais ça ne dure que 2-3 jours maximum, car après, il y a une confiance qui est complètement acquise auprès des deux. Et de plus, les bénévoles apprennent suffisamment de mots arméniens pour jouer avec les enfants. Et les enfants, potentiellement, apprennent également quelques mots français, voire anglais, pour mieux se faire comprendre. On est un groupe de 14 bénévoles. Au village de Chenavan, il y a une partie chaque jour qui va participer à la rénovation de l'école maternelle avec un chef de chantier qui est aussi notre père d'accueil puisqu'on vit tous dans une famille. Et il y a une autre partie qui s'occupe d'animer les enfants, que ce soit en animation intérieure, faire des perles, du coloriage, de la peinture, ou en animation extérieure, du handball parce qu'il y a eu une initiation au handball, qui est un nouveau sport qu'ils ne connaissaient pas, la tech aussi qu'ils ne connaissaient pas, du foot et des jeux qu'eux aussi nous apprennent parce que le but c'est qu'on se donne chacun. Thank you.
Adios et oui aux émotions. Ayo, c'est oui au sourire. Ayo, c'est oui à l'ouverture d'esprit. Ayo, c'est oui à l'aventure. Ayo, c'est oui à l'amour. Ayo, c'est oui à l'amitié entre la France et l'Arménie.